いでよ体操第一、よーい、ドン、全力疾走。いきなり走るのかよ。おい待てよ。もっと早く。私の勝ちだ。Ghouls and Ghosts, sorti en 1988 en arcade, est la suite directe de Ghosts and Goblins, le jeu de plateforme à succès de Capcom. Ghosts and Goblins était déjà devenu célèbre pour son gameplay raide et son level design sadique, qui le rendait incroyablement difficile. Ghouls and Ghosts propose une suite au graphisme resplendissant, au maniement plus fluide, avec des armes et des pouvoirs supplémentaires, mais reste presque aussi difficile que le premier épisode. Notre héros Arthur est un petit chevalier qui se balade en armure. Lorsqu'il se fait toucher, elle se détruit et il faut continuer l'aventure, littéralement en slip. Si on se prend un coup dans cet état, c'est la mort directe. Des coffres apparaissent lorsqu'on passe à des endroits précis du jeu. Ils peuvent contenir des armes, une armure ou bien un sorcier qui vous enverra un sort. L'armure d'or est la grosse nouveauté de cet opus. Elle donne l'accès à un pouvoir. Il suffit de laisser le bouton de tir appuyé quelques secondes pour charger. Chaque arme possède un pouvoir différent. Enfin, on a la possibilité de tirer vers le haut et vers le bas. Ça n'a pas l'air, mais c'est une bénédiction dans ce jeu, et ça le rend beaucoup plus jouable que son prédécesseur. Bonjour Benjamin. Salut Julien. Cette fois-ci, on voit ton replay sur Ghouls and Ghosts. C'était quoi ton objectif là sur Ghosts and Ghosts ? Alors, Ghosts and Ghosts, mon objectif c'était tout simplement finir le jeu. Donc One Life est le jeu avec une seule vie. Je me suis mis en mode de difficulté maximale. Donc sur la version arcade, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations. D'accord. Donc là on est sur la version arcade. Donc là on commence par la fin un petit peu. Oui. Donc, ce qui se passe, ouais. Voilà, donc là en fait je viens de finir le premier loop du jeu, donc j'ai fait tout le jeu. Et en fait, quand on termine la première fois tout le jeu, on doit accéder à une salle secrète qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas une arme spéciale. Donc en fait, on est obligé de refaire un deuxième loop. Hein, donc on est obligé de refaire tout le jeu où il va falloir réussir à trouver cette fameuse arme spéciale hein, pour pouvoir enfin accéder à cette dernière salle à la fin du jeu. Donc là en fait, on repart au début. D'accord, mais le jeu est un peu plus dur. Voilà, donc là c'est le deuxième loop. Hein. Beaucoup plus d'ennemis, là on voit déjà dans le premier niveau. Beaucoup plus de squelettes. Les squelettes qui sortent en plus du sol. Donc là on voit déjà que j'ai quand même perdu mon armure hein, déjà. Ouais. Donc là tout de suite en danger. Hein. C'est un jeu où on est quand même, on va dire, constamment en danger à partir du moment où on n'a plus son armure. Ça, c'est clair. Quand on a son armure, on peut encore respirer un peu, hein, à part sur certains passages où on peut tomber dans des trous ou dans l'eau. Mais là, par exemple, bon, là, c'est quand même un petit peu dangereux. Faut que je récupère vite les boucliers. D'autant plus que ton objectif, c'est de ne pas perdre de vie. Voilà, donc là, c'est vrai que on peut jouer pour le scoring, mais je ne joue pas pour le scoring. Là, c'est vraiment faire le jeu. Voilà, je passe au-dessus de la. Petite fantaisie. Voilà, une petite fantaisie. Je devais être un peu fatigué, là, parce que c'est vraiment trop risqué. Donc là, on a passé le premier checkpoint là, du premier niveau. Donc là, on voit une superbe animation avec la pluie, le vent qui fait bouger les arbres. Oui. Un jeu vraiment magnifique pour son époque, hein, sorti en 88. En arcade, c'était vraiment une claque monstrueuse. Et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est... Il n'y a pas trop vieilli. Voilà. Le level design, on voit les arbres, le visage, là, c'est pas... Moi, je trouve ça fabuleux. Grande époque de Capcom en arcade. Alors, donc là, on voit que j'ai récupéré un bouclier d'or, l'armure d'or, on va dire. Hein.
qu'on n'avait pas dans le premier épisode, hein, dans Ghosts and Goblins. Donc ça, c'est la grande nouveauté de cet épisode. Voilà, c'est la grande nouveauté, et donc elle est associée à une deuxième chose, en fait, parce que quand on a cette armure-là, on a une barre d'énergie, là, en bas, à côté de la petite case où il y a là, qui permet d'avoir une arme un petit peu spéciale. Donc là, comme j'ai l'armure d'or, là, à partir de maintenant, là, à chaque fois que j'ouvre un coffre, là, on a aperçu une petite princesse, là, donc une petite princesse qui me donne, en fait, l'arme magique, enfin, l'arme spéciale, justement, qui me permettra d'accéder à la dernière salle du jeu, au dernier niveau. Bon, alors là, je ne l'ai pas prise. Pourquoi je ne l'ai pas prise ? Parce que c'est une arme qui est très puissante, mais qui n'a pas une grande portée. Donc là, pour l'instant, dans toute cette partie-là du jeu, tous les premiers niveaux, je préfère avoir une arme qui ait une portée maximale, qui aille jusqu'au bout de l'écran, pour détruire tous les ennemis. Enfin, on va dire, pour être un petit peu plus en sécurité. Donc là, on va toujours garder le bouclier là. Alors le bouclier, ce qui est pas mal avec cette arme là, donc là voilà, on la voit bien, donc là je la prends pas, hein. Le bouclier, ce qui est pas mal là, surtout dans un niveau comme ça, c'est que ça suit le sol, en fait. D'accord. Donc plutôt que de tirer horizontalement, là ça suit. D'accord, et c'est un peu large, un peu plus large que les armes standard. Voilà, voilà, bah, surtout quand on tire à la verticale. Ça, c'est important. C'est une grosse nouveauté. On parlait de nouveauté par rapport à Ghosts and Goblins. Là, on tire à la verticale. Vers le haut et vers le bas. Ouais, ce qui rend quand même le jeu net un peu moins dur, on va dire. Ouais, parce que Ghosts and Goblins. Ghosts and Goblins, c'était. Ouais, tu peux dire ça, ouais. Même pour moi, c'est très très dur. Donc là, un ennemi là, qu'on avait déjà dans Ghosts and Goblins, qui est très très chiant, très coriace, bouge vite. Un gargouille. Hein. Voilà, bon là j'ai un peu de chance, là, il tombe, il descend vers moi à la verticale, donc là, je peux le tuer facilement. Donc pareil, il est plus agressif là dans le second loop. Dans le deuxième loop, non. Cet ennemi-là, qu'on rencontre à plusieurs reprises d'ailleurs dans le jeu, non, il est pareil. C'est, le second loop, c'est simplement un petit peu plus. Enfin, plus d'ennemis, on va dire. Par exemple, automatique. Voilà, par exemple, là, on est dans une section, là, où il y a des sortes de chauves-souris, là, en flammes. Là. Et là, bon, là, dans le deuxième loop, il y en a beaucoup plus que dans le premier, hein, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. D'accord. Donc, plus d'ennemis, on va dire. Des ennemis en plus grand nombre. Donc là, on voit que j'ai failli me faire tuer, ouais, d'ailleurs. J'ai failli tomber dans le feu. D'ailleurs que le premier loop était assez tranquille, j'ai pas trop perdu mon bouclier, mais alors le second, j'ai eu pas mal de réussite, hein, quand même, faut le reconnaître. Donc là, un boss magnifique au niveau de l'animation. Hein, ouais. Encore une fois, c'est à l'époque où le jeu est sorti, c'était une claque incroyable. Pareil, le décor en feu. Ouais, le décor en feu, c'est exceptionnel. À noter quelques bonnes conversions d'ailleurs du jeu sur Mega Drive. Moi d'ailleurs, si je me souviens bien, j'avais découvert le jeu sur Mega Drive. J'avais pas trop joué en arcade à l'époque où il était sorti. Et oui, donc sur Mega Drive, il était magnifique. La version Super Graphics aussi, qui était très très belle. Très proche de la version arcade. Alors là, on est au troisième niveau, là, on est un peu dans une phase shooting. Oui, crawling vertical. Un peu moins maniable, on va dire. Voilà, donc là, j'ai perdu vite mon bouclier. Alors là encore, beaucoup plus d'ennemis là qui me tirent dessus. Là. Que dans le premier loop, mais on a vu que j'ai perdu mon armure. Voilà. Et alors, en plus, quand on n'a pas son armure, quand on est en caleçon, hein, il y a souvent un ou deux coffres qu'il faut ouvrir. Et puis, à chaque fois, on a la mauvaise surprise d'avoir souvent un magicien, enfin un sorcier, là, qui vous envoie un sort. Ouais, une sorte de sort là, qu'il faut éviter, parce que les sorts, en fait, vous transforment. D'accord, ouais, ça temporaire ou... Non, ça pendant au moins une bonne dizaine de secondes. Alors, on peut être transformé, ça peut être assez marrant, des fois on est transformé en vieillard, donc on marche au ralenti, on a une vieille canne, si je me souviens bien. Voilà, mais enfin on peut tirer, alors, en vieillard ça va encore. Ouais. Mais je me souviens, on est transformé aussi en je sais plus d'ailleurs encore quoi. Je me demande si c'est pas en bébé. Ouais, non, en bébé c'était dans la version Super Nintendo. Ouais. Enfin bref, deuxième partie là qui est très 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 compliquée là du troisième niveau là, parce qu'on voit là j'ai pas le droit à l'erreur, hein, là, j'ai beau avoir mon armure ou pas d'armure. Là tu tombes. Ouais, là je tombe, je suis mort. Donc là on voit des langues là qu'il faut bien. Et malgré tout, c'est quand même un des endroits où tu peux te permettre de scorer éventuellement.
Oui, alors c'est vrai qu'on peut, on n'a pas trop, on n'a pas du tout parlé du scoring parce que c'est pas là, c'est pas l'objectif, mais c'est vrai que c'est important. Là, c'est, par exemple, ce passage-là, j'aurais pu. On voit par exemple, là j'ai un temps, là j'ai presque 2 minutes. J'aurais pu rester le plus longtemps possible, là, juste avant le boss. Dans les langues, pendant sur les plateformes, hein, enfin surfer un peu entre les deux, de manière à scorer et puis attendre presque la fin du temps. Hein, de manière à arriver au boss, parce qu'il faut savoir que quand on arrive au boss, le temps se remet à... Tu regagnes du temps au boss, voilà. donc tu peux atteindre la limite avant d'arriver au boss, et ensuite, t'es tranquille. Voilà, donc c'est également vrai au milieu du niveau. Hein, c'est chaque niveau, en fait, on a le départ et après on a un checkpoint hein, au milieu du niveau. Donc on peut très bien, là par exemple, je pourrais très bien rester sur place pendant un moment, parce qu'on n'est pas encore arrivé au milieu du niveau, hein, ça c'est le quatrième. Là par exemple, je pourrais rester là et puis faire un peu de glitching, tuer tous les ennemis qui arrivent à l'écran. Hein, bon, là, je le fais pas parce que c'est assez fastidieux et puis c'est pas mon objectif hein, sur ce jeu là, donc je le fais pas. Mais si on parle de scoring, il y a pas mal d'endroits sur tous les niveaux où il faut jouer avec le time, hein, avec le temps, essayer d'aller à chaque fois au maximum du temps qui est imparti hein, pour scorer. Là on voit par exemple des ennemis qui sortent à chaque fois, des zombies là, qui sortent. Donc là j'aurais pu rester sur place jusque, en gros il reste 1 minute 50 là. J'aurais pu rester là jusqu'à 10 secondes par exemple, parce que là je suis pas très loin du checkpoint, hein. Le checkpoint il est juste après. Ouais. Mais bon, je le fais pas, je me contente là d'essayer de passer, passer sans perdre de vie, parce que c'est pas simple d'ailleurs, je perds mon armure. Voilà, là on arrive par exemple à la deuxième partie du voilà, donc là on a vu 2 minutes 59, hein, c'est revenu à 3 minutes. D'accord. Donc là, bon bah là comme j'ai perdu mon bouclier, il va falloir quelques coffres là pour pouvoir le récupérer. Hein, on l'a vu d'ailleurs, j'ai réussi à éviter le sort là. Mais... D'ailleurs, les coffres ils apparaissent, ils sont pas posés dans le décor. Alors, faire des petites actions. Les coffres, voilà. Alors les coffres ils apparaissent pas du tout de manière aléatoire. Hein. Par exemple, ce coffre-là, il est toujours là au même endroit. Donc pour les faire apparaître, c'est pas compliqué. Il faut aller à un endroit précis du jeu. Donc des fois, il suffit juste d'avancer hein, sur la plateforme, sur le sol tout simplement. Ou alors des fois il faut sauter à un endroit précis. Hein. Enfin, c'est une question de placement. Il faut aller à un endroit précis pour faire sortir tel ou tel coffre. Par exemple celui-là, bon bah ce coffre-là, il suffit juste d'avancer et il sort devant vous. Mais c'est vrai qu'il y a des fois pas mal de coffres qui sont un petit peu cachés. Hein. Des fois il faut revenir en arrière, faut sauter à un endroit précis, bon, faut le savoir. Comme le tout premier coffre du jeu. Voilà, dans le premier niveau où il faut repartir en arrière. Alors là on arrive au boss là qui est. Bon, déjà une partie là, pas évidente là. Donc là le boss, hein, là j'ai détruit les deux premières parties. Alors un boss qui est quand même assez compliqué si on n'a pas l'arme que j'ai. Là on voit bien, là, je perds le bouclier, mon armure, mais j'ai quand même le couteau qui est quand même la meilleure arme du jeu, hein, de très loin. Donc ouais, tu privilégies tout le temps le couteau. Ouais voilà, voilà. Donc là c'est une arme qui me permet justement de pouvoir détruire les deux parties là, donc de gauche du boss et les deux parties qu'on voit là de droite. Donc il n'y a que la partie du milieu là qu'il faut détruire en tirant vers le bas, qui est pas évident. Parce que sinon les autres armes sont trop fines ou... Bah, sinon on peut pas se mettre à l'extrémité du boss voilà, pour détruire les deux parties extrêmes en fait. Avec les autres armes c'est beaucoup plus... on peut pas. On peut en détruire une sur les deux, mais pas les deux. Donc là, dernier niveau, château. Que des ennemis. Alors là j'ai passé la première partie assez rapidement parce que c'est... Avec tous les petits dragons squelettes là. Une partie et donc pareil, ils arrivaient à l'infini, t'aurais pu... Voilà, donc voilà, si j'avais l'objectif de scorer, je restais là pendant au moins 1 minute 30, hein, facile à faire de... Toutes les difficultés que ça... Voilà, à rester en vie, et puis passer mon temps à faire ce qu'on appelle du witching, hein, c'est pas... Donc là, je l'avais pas détruit, hein. Enfin, j'avais pas tué, donc c'est pour ça que j'attendais un petit peu. Donc là, c'est... Là, on voit bien, là... Le fait d'avoir l'armure d'or là, qui me permet d'avoir un double. Une magie un peu spéciale qui me donne un double. Donc c'est intéressant. Alors voilà, donc là je suis au dernier niveau. Donc là je prends l'arme. Et voilà, l'arme magique là, qui va me permettre de finir réellement le jeu. Parce qu'il faut savoir qu'on peut jouer à ce jeu-là à l'infini. C'est-à-dire que si on passe à chaque fois le dernier niveau, hein, c'est-à-dire que ce niveau-là, voilà. On le passe sans cette arme-là. Eh ben on tourne en rond en fait au dernier niveau. Parce qu'on peut pas accéder à la porte comme à la fin du premier loop. Voilà, exactement.
Sauf qu'il te ramène, il te ramène où? Alors il me ramènera au dernier niveau, c'est-à-dire ce niveau-là, au tout début. Au tout début de ce niveau-là. Voilà, donc il ne me ramène pas au début du jeu. Hein, même si c'est gentil. C'est gentil, mais bon, à la limite, si on veut faire du scoring, ce serait mieux d'arriver au début. Hein, bon, ce serait plus varié, ouais. Parce qu'il faut savoir que bon, le record mondial, hein, c'est pas compliqué, le compteur est bloqué, hein, c'est 9 millions, enfin 10 millions, hein, 9 999 990. Il faut savoir qu'il faut facilement passer une trentaine d'heures, au moins une journée complète, hein, sur le dernier niveau. Donc c'est quand même assez fastidieux, quoi. C'est un vrai marathon. Hein. Alors là, on voit avec cette arme spéciale, hein, l'arme magique, qui n'a pas une grande portée. Ouais, effectivement. Hein, bon, elle est très puissante, alors c'est de loin la plus puissante, mais elle n'est pas une grande portée, surtout quand on n'a pas l'armure. Hein, quand on est en caleçon comme ça, elle a une portée très très faible. Ah mais là tu le dégommes en deux coups. Voilà. Là, par contre si je suis proche de lui, bon là bah, je prends pas trop de risques, hein, je reste quand même à distance. Si je suis près de lui, il va être détruit très rapidement. Par contre là, pour ceux-là c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce qu'ils sont un petit peu plus loin. Ils vont vite. Ouais, en plus ils tournent. Hein, en plus il faut savoir que là je l'ai détruit. Bon ouais, là je l'ai détruit assez vite, mais il faut savoir qu'il y a une phase où ils se mettent. Ils ont une sorte de bouclier en fait, ces petits nuages. Donc des fois ils activent leur bouclier et on peut pas les toucher. Alors ils tournent en rond autour de Arthur, hein, de notre personnage, mais on peut pas les toucher. Alors si on est en caleçon, on meurt une fois sur deux facilement. Hein. Voilà. Donc là par contre j'ouvre le coffre parce que je sais que c'était soit un sorcier, soit l'armure d'or. Bon, malheureusement c'était un sorcier. Hein. C'était aléatoire. Parce que là une fois que t'as l'arme spéciale, tu peux plus changer. Ah si, bien sûr, là je peux changer. Mais si par exemple ce coffre-là, je l'ai ouvert, mais je l'ai ouvert parce que j'avais l'armure normale. Ouais. Si j'avais eu l'armure d'or, j'étais sûr d'avoir une autre arme. D'accord. Donc je ne l'aurais pas ouvert. D'accord. Je l'aurais même pas fait apparaître le coffre. Parce que c'est un passage où je suis obligé de passer à cet endroit-là et j'aurais forcément changé d'arme. D'accord. Hein, ce qui m'aurait pas permis d'accéder au dernier niveau qu'on va voir juste après. Donc là, voilà, je perds mon bouclier. Alors là, je fais vite, comme je suis invincible quelques secondes parce que j'ai perdu mon bouclier. Je vais très très vite pour aller c'est de l'autre clair côté. Ouais, là, il y a une grosse part de réussite. Hein. Faut reconnaître que. Autant avec le couteau, avec une autre arme, c'est beaucoup plus facile ce boss-là parce qu'on a une portée importante. Oui. Autant avec cette arme-là, surtout en caleçon comme ça, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, là, enfin, on accède au dernier niveau, enfin, dernier boss, parce que c'est un boss, qui est. Bon, alors là, je me place juste à l'extrême, soit à l'extrême droite, soit à l'extrême gauche, du centre, hein, je me mets pas pile poil au centre, que le coup il tire, d'ailleurs là j'ai failli me toucher, et on voit là le socle qui commence à se, enfin le sol, qui commence à se dérober, et il faut aller très très vite pour le détruire, parce que si on le détruit pas assez rapidement, le sol se dérobe juste en dessous de sa tête, et à partir du moment où le sol est dérobé, on peut plus le tuer, puisqu'on peut pas se placer en dessous de lui, on ne peut plus le tuer. Comme on ne peut pas tirer en diagonale dans ce jeu-là, et ben, il faut le détruire le plus vite possible. D'ailleurs, là, on a vu que j'ai perdu mon armure. Hein. Enfin, que je récupère hein, juste après, parce que là, c'est... La scène finale. Voilà, pour la scène finale. Là, on a un petit texte. Hein. Et donc là, c'est la vraie fin. La vraie fin du jeu, voilà. Hein, tout à l'heure, on avait un message comme quoi je ne pouvais malheureusement pas finir le jeu. Il fallait que je reparte au début parce que j'étais pas équipé, on va dire. J'étais pas armé. Donc là maintenant, j'ai retrouvé, comme dans Ghosts and Goblins, la princesse, ma chère et tendre. Donc alors là, on voit un générique de fin là, qui est quand même... pour l'instant, c'est juste un texte, mais on va voir après. Un générique de fin qui est quand même assez étonnant pour l'époque, parce qu'on voyait pas beaucoup de générique où on expliquait vraiment le jeu, ce qui se passait. Il y a une histoire en fait et qu'on découvre un petit peu à la fin et que habituellement dans les jeux d'arcade on avait juste quand on finissait un jeu, voilà, on avait juste le staff Le staff le nom à la fin et voilà, c'est fini quoi. Le staff congratulations, game over et puis on met son nom, tandis que là on a vraiment on a une belle cinématique où on va revoir un petit peu les niveaux, les décors, les ennemis du jeu, les noms des ennemis, des personnages, des boss. Dure assez longtemps. C'est très très long par rapport aux fins habituelles qu'on avait dans les jeux d'arcade. Donc c'est vraiment gratifiant. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien défoncé pendant une grosse demi-heure. Ouais. Donc là, on peut se reposer, on admire. Et c'est vrai que moi, le jeu, je l'ai fini
sais pas combien de fois, je les compte plus. Et à chaque fois, je reste en admiration devant, devant la cinématique, d'autant plus que là, on entend bien la musique qui est très très belle, un joli thème. Ce qui est marrant aussi sur cette cinématique, c'est que sur le dernier boss, là, on va le voir, on le joue avec la lance, en fait. L'arme d'origine. Alors qu'en fait, dans le jeu, au niveau du gameplay, c'est absolument impossible. On ne peut pas arriver à la fin avec cette arme-là, donc c'est assez amusant. Alors voilà, le nom de la princesse. La fameuse princesse plantureuse. Ça, c'est génial. Avec ça donne vraiment envie de finir le jeu. Avec ses mensurations. Et voilà, le beau chevalier. Vraiment une fin, un générique vraiment exceptionnel. Je le redirai jamais assez, il faut souvent se remettre dans le contexte de l'époque. Là, on est en 88. Mais tous ceux qui ont connu le jeu à l'époque, enfin, ceux qui ont eu la chance de voir la fin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui le voyaient, ou alors il fallait mettre très très cher dans le jeu, parce que 50 crédits et encore. Avec les checkpoints, c'est pas évident. Ouais. Voilà, donc un score très très bas pour les deux loups, puisque l'objectif, c'est vraiment pas de faire du score, c'est vraiment de montrer tout simplement qu'on peut faire le jeu sans perdre de vie, en mode de difficulté maximale. C'est pas aussi injouable, aussi impossible que ce que j'entends ou ce que je peux lire des fois sur les forums. Il est réputé comme étant très très. Alors c'est vrai, je vais pas contredire les gens, il faut beaucoup beaucoup d'entraînement, mais c'est pas impossible. Faut jamais dire que c'est impossible, jamais. Ça, c'est. Tous les jeux sont jouables à partir du moment où on est bien préparé, à partir du moment où on s'entraîne bien. On est bien motivé aussi. Ah oui, ça c'est sûr.